Hello everyone and welcome back for a new French lesson. Today I wrote a French short story for you that I'm going to read in slow and normal French. Today's story is La routine matinale de Lucie. After the story, you have 10 multiple choice questions. On the screen, you will only have the French short story and French questions. If you want the translation of everything, just grab the free PDF on my website. If you are looking for more stories, check out my French storybooks, or if you're looking for more advanced French, check out my second YouTube channel for B1, B2 level. That's it. Enjoy this French short story. Lucie se réveille doucement. Il est 7 heures du matin. Elle a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Elle doit quitter la maison dans 1 heure. Elle sort de son lit et met ses pantoufles. Elle ouvre les rideaux. Le soleil est déjà levé. En janvier, les journées sont froides mais lumineuse. Elle descend les escaliers. Elle allume le chauffage pour réchauffer la maison un petit peu. Elle prépare son petit déjeuner en écoutant la radio. Elle mange toujours 2 tranches de pain avec de la confiture et un café. Elle prend aussi des vitamines tous les matins. Mais parfois, elle oublie. Après son petit déjeuner, elle doit vite s'habiller et se préparer. Elle se maquille et se coiffe comme tous les jours. Elle met un pantalon, une chemise et des chaussures plates. Elle a une réunion importante ce matin au bureau. Elle doit arriver en avance pour préparer ses documents. Une fois prête, elle prend son sac, ses clés, son téléphone et sort de la maison. Quand elle démarre la voiture, elle se rend compte qu'elle a oublié de faire le plein hier. Elle n'a pas assez d'essence pour aller au bureau. Comment est-ce qu'elle a pu oublier ça? Elle s'arrête à la pompe à essence près de chez elle. Il n'y a personne à la pompe, donc cela ne prend que quelques minutes. Elle devrait arriver à l'heure au bureau. La journée commence bien pour Lucie. Lucie se réveille doucement. Il est 7 heures du matin. Elle a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Elle doit quitter la maison dans 1 heure. Elle sort de son lit et met ses pantoufles. Elle ouvre le rideau. Le soleil est déjà levé. En janvier, les journées sont froides mais lumineuses. Elle descend les escaliers. Elle allume le chauffage pour réchauffer la maison un petit peu. Elle prépare son petit déjeuner en écoutant la radio. Elle mange toujours 2 tranches de pain avec de la confiture et un café. Elle prend aussi des vitamines tous les matins, mais parfois, elle oublie. Après son petit déjeuner, elle doit vite s'habiller et se préparer. Elle se maquille et se coiffe comme tous les jours. Elle met un pantalon, une chemise et des chaussures plates. Elle a une réunion importante ce matin au bureau. Elle doit arriver en avance pour préparer ses documents. Une fois prête, elle prend son sac, ses clés, son téléphone et sort de la maison. Quand elle démarre la voiture, elle se rend compte qu'elle a oublié de faire le plein hier. Elle n'a pas assez d'essence pour aller au bureau. Comment est-ce qu'elle a pu oublier ça? Elle s'arrête à la pompe à essence près de chez elle. Il n'y a personne à la pompe, donc cela ne prend que quelques minutes. Elle devrait arriver à l'heure au bureau.
La journée commence bien pour Lucie. Comment s'appelle la personne dans l'histoire? Marie, Jeanne, Lucie, Lisa. À quelle heure est-ce qu'elle se réveille? À 6h, à 6h30, à 7h, à 7h30. Dans combien de temps est-ce qu'elle doit quitter la maison? Dans 10 minutes? Dans une demi-heure, dans 45 minutes, dans une heure. Qu'est-ce qu'elle met après être sortie de son lit? Son pyjama, ses lunettes, son peignoir, ses pantoufles. Quel est le mois cité dans l'histoire? Janvier, février, mars, avril. Qu'est-ce qu'elle allume pour réchauffer la maison? Le feu ouvert, la télévision. Le chauffage, la machine à café. Qu'est-ce qu'elle écoute en préparant son petit déjeuner? Un podcast, la radio, les informations, un livre audio. Qu'est-ce qu'elle mange pour son petit déjeuner? Des céréales, 2 tranches de pain, des flocons d'avoine, 1 croissant. Quels habits est-ce qu'elle met? Une jupe, une chemise et des talons. Une jupe, une chemise et des chaussures plates. Un pantalon, une chemise et des talons. Un pantalon, une chemise et des chaussures plates. Pourquoi est-ce qu'elle doit arriver en avance au bureau? Car elle aime arriver en avance. Car elle a une réunion importante. Car elle a un appel important. Car elle part en vacances demain. I hope you enjoyed this French short story. Please let me know if you would like more videos like this one. If you do want more, don't forget my French storybooks and my other YouTube channel if you want more complicated stories. So I will see you next Wednesday for a new French lesson. À mercredi prochain.